Salut Le Man, présente-toi s'il te plaît. Jérôme Razat, 33 ans, je suis chef de produit chez Caperlan. Je suis responsable de la partie leurre, canne, moulinet, leurre et waders. Donc je suis un petit peu le chef d'orchestre de tous les projets qu'on va mener chez Caperlan sur les années à venir. D'accord. Et je voulais savoir, donc moi je suis ici parce que vous m'avez gentiment mis à disposition cette canne qui est magnifique, qui est pour moi la canne du Jedi, la canne du futur qui s'appelle la Prémonition. Et je voulais savoir un peu comment était né ce projet. Alors ce projet il est né il y a 2 ans. On a la marque, en tout cas Caperlan, veut donner une autre orientation que le côté débutant initié. On veut aller chercher le pêcheur spécialiste pour pouvoir permettre à tous en fait de trouver une solution à sa pêche. Donc il y a quelques années, donc 2 ans, j'ai souhaité une canne avec mon groupe projet qui allait donner un maximum de sensations aux pêcheurs spécialistes. Donc j'ai fait un brief et résultat des courses, 2 ans après, cette canne est arrivée dans le réseau. Cette canne est arrivée donc dans notre réseau pour pouvoir satisfaire, j'espère, le pêcheur spécialiste, drop shot, vertical et aussi top water. D'accord. Et en fait, j'observe un peu ce qui se passe chez Caperlan. C'est des produits quand même qui sont relativement à la portée de tous et c'est bien parce que les jeunes peuvent pêcher aussi en même temps et peuvent s'acheter des leurres. Mais cette canne-là, par contre, elle est d'un autre budget parce qu'elle est évidemment pas très jolie, mais elle est très technique. Elle apporte des choses qu'aucune canne n'a apportées jusqu'à maintenant pour moi, qui suis pêcheur évidemment. Pas non plus professionnel, mais j'ai déjà vu pas mal de choses et je vois pas mal de produits cette année avec toutes les marques. Donc, je voulais savoir quel positionnement, vous, Caperlan, vous avez décidé d'avoir avec cette canne et pourquoi vous faites une canne qui est, pour moi, quand même très haut de gamme et quand même qualité-prix, elle est incroyable, quoi. Alors, je voulais savoir pourquoi vous aviez fait cette canne déjà. Cette canne, à l'origine, est pour nous un laboratoire de développement. Ça nous a permis de monter en compétence sur le développement des cannes. On a travaillé des matériaux d'exception, on a essayé de travailler avec les meilleurs composants qu'on pouvait avoir sur le marché pour nous permettre de pouvoir faire ressentir à l'ensemble de notre gamme, du premier prix au top de gamme, le maximum de technicité possible dans des budgets toujours très attractifs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on utilise, par exemple pour cette canne-là, des anneaux Fuji, du carbone très haut module, des matériaux d'exception pour un prix, un budget en tout cas inférieur à 350 euros. Voilà, je trouve ça quand même assez phénoménal, effectivement. Le prix que tu nous annonces, quand on voit une canne comme ça avec les composants qu'il y a, on se dit mais c'est ultra pas cher, enfin en tout cas c'est ultra qualité-prix incroyable. Et je voulais juste savoir une chose, à quel type de pêche est destinée cette canne vraiment? Alors le type de pêche qu'on va cibler principalement, sachant qu'on peut l'équilibrer de 3 façons différentes grâce au système de masse-lotte qui est intégré, c'est principalement des pêches déjà de finesse parce que c'est une puissance de canne qui va entre 5 et 15 grammes. On va pouvoir pêcher sur des pêches principalement verticales avec un équilibrage plutôt heavy qui va permettre de trouver des sensations et un toucher, une sensation qui va permettre de toucher du poisson de façon très précise sur le fond. Sinon, après, pêche très finesse, le drop shot, qui nécessite un maximum aussi de sensibilité. Cette canne-là va permettre ça. Et enfin, le top water pour permettre de balayer des couches d'eau supérieures et de pouvoir toucher du poisson. C'est une très très bonne lanceuse aussi. Donc, on va pouvoir se faire plaisir malgré ces 2 mètres. D'accord. Et chose que je ne savais pas au départ, à combien d'exemplaires vous comptez la fabriquer et qui sont disponibles dans les magasins? Aujourd'hui, c'est un produit qui a donc été pour nous un laboratoire d'essai. Donc on n'a pas de prétention commerciale dans un premier temps sur ce produit. C'est, je dirais, la demande qui va générer l'offre. On a 35 magasins où c'est quand c'est en exposition aujourd'hui, en Espagne et en France. On en a produit une certaine quantité aujourd'hui, on a tout vendu. Donc on a relancé une production et on fera de même au fil de l'eau. Ok, ça c'est génial. Et je voulais savoir une chose qui me paraît super importante quand même, à part les anneaux effectivement que vous avez achetés, c'est bien une fabrication entièrement faite par Caperlan. Vous demandez à personne
de par exemple tourner le carbone ou quoi que ce soit, c'est vous qui vous occupez de tout. Ça, c'est génial que tu me poses cette question. Effectivement, tout a été pensé. L'idée première, le brief que j'ai pu faire à l'initial est né en France. Les solutions techniques ont été trouvées par nos ingénieurs Maxime, par nos designers Jérémy, Alexandra et tout le reste de l'équipe. On a pensé tout en France, oui, effectivement. C'est des solutions, que ce soit du plan de râpage, le plan de râpage du blanc a été réalisé par notre ingénieur produit en France. La poignée carbone a été dessinée, designée, puis mise en 3D pour être produite après chez un fournisseur, et c'est une exclusivité qui nous est propre. Il en est de même sur le porte-moulinet et le système des masselottes qui est monté. Donc c'est vraiment Made in France quoi. On est fier de notre produit, on est fier de Caperlan, rien que pour ça. L'ensemble des composants est exclusif à Caperlan en termes de conception, effectivement, hormis les anneaux fugis titanium, qui sont aujourd'hui pour nous la référence sur le besoin qu'on avait sur ce canal-là. D'accord. Et j'en profite pour dire, voilà, c'était ça que je voulais dire. En fait, Fishmi est fier d'avoir une canne comme ça dans ses bureaux. Je vais la mettre à disposition de pas mal de rédacteurs qui veulent l'essayer absolument et qui sont des pêcheurs assez confirmés. Et donc voilà, moi je pense que cette canne-là, pour moi, c'est le fer de lance cette année de Fishmi, point barre, et on verra beaucoup cette canne dans le magazine, je tenais à le dire. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, prémonition pour nous, c'est une bascule sur une nouvelle ère pour Caperlan. C'est, j'espère, une bonne prémonition pour la suite. Génial.